La Jem El Fna, l'ambiance est plutôt festive. Mais nous sommes loin du rush habituel. Si les touristes étrangers manquent à l'appel, seuls les nationaux ont fait le déplacement. En cette période de fête de fin d'année, l'activité touristique à la cité Ocre semble tourner au ralenti. En temps normal, les unités d'hébergement affichent complet et les professionnels du tourisme réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires. Mais cette année, pas de touristes et pas de célébration. Cette année, nous avons uniquement des touristes nationaux. L'activité est très en deçà des saisons d'avant Covid. Visiblement, les artistes du spectacle essaient tant bien que mal d'assurer. Mais le manque de visiteurs se fait sentir davantage chez les commerçants de l'artisanat et les propriétaires de bazars. Nous attendions cette période avec impatience. Le tourisme interne est loin de sauver la mise. Le pouvoir d'achat ne suit pas toujours. Nous sommes affectés par les répercussions économiques de la crise sanitaire. Sans touristes, la plage Jem El Fna et les commerces qui en dépendent baignent dans la morosité. Après l'espoir suscité en juillet dernier par la reprise des liaisons aériennes, la fermeture totale des frontières et la suspension des vols fin novembre viennent impacter de nouveau la saison touristique. Seule issue pour les professionnels, miser davantage sur le tourisme interne et adapter les offres touristiques au niveau de vie des Marocains.